Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vol, cette 6e ou 7e étape de la Loire en avion. On décolle de Orléans et on va en direction de Saumur. Et on va survoler les châteaux. Alors, chose bizarre, on descend normalement la Loire, on va la remonter un petit peu parce que dans l'étape précédente j'ai oublié de vous montrer le château de Sully, qui est juste pas très loin. Donc on va voler, on va remonter un petit peu la Loire, passer le château de Sully et après revenir. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai eu complètement oublié, on a volé au-dessus, mais j'ai complètement zappé de vous le montrer. Donc on va aller le voir. Et sinon on va voir Chenonceau et... on va voir plusieurs châteaux. Alors du coup, on prépare l'avion, on va aller vite. Je vous préviens tout de suite, on va faire ça rapidement. Je fais les choses à l'envers, rien à foutre. On va faire ça rapidement parce que... Ouais, j'ai lancé sans booter les instruments. Ah, enfin voilà. On va dire qu'il faut aller vite. Il y a 1h40 de vol annoncé, à peu près. Donc, bon. Ça fait du temps de vol. Ça fait un peu de temps de vol. Du coup. En altitude, demandez. On va voler à 1500 pieds, comme d'habitude. On va faire une VS up de 500 pieds. Et activer le mode neuf. Ok. Voilà. Et on perd pas de temps. On y va. On desserre le frein de parc et on y va. Alors, voilà. La sortie, c'est par là. Reloulou France. La sortie, c'est par ici. Oula. Mince, la piste est juste là. Ok, bon, de toute façon. Mince. Allez. On va aller se positionner. Ah ben, bah. Oula, il me donnait un chemin, mais bizarre. Ok, bon, pas grave. Maintenant qu'il ne donne plus de chemin, on va remonter toute la piste. Enfin, une partie de la piste, et puis on va décoller. Donc oui, comme je vous disais, on va repartir un tout petit peu en arrière. Alors, c'est de pas grand-chose, hein. On va juste passer à Sully, Sully-sur-Loire, pour aller voir le château, vu qu'on l'avait pas vu. Oui, si tu veux, alors attends, je fais juste le décollage et après je te reprends en vox si tu veux. Tu vas survoler Sully, Chambord, Chenonceau, Amboise et Saumur. C'est ça, c'est exactement ça. Alors pourquoi? Hop, on freine. Et on... On va s'aligner. Hop là. Et bien sûr, on va survoler Orléans. Même si c'est pas un... Au pire, regarde ton log de nav, touche N, et t'auras une simulation du temps pour celui. Ouais, c'est pas... Ça va le faire. Hop, allez, c'est parti. On envoie les gaz. On envoie, et c'est parti. Ah, 30 nœuds. 40 nœuds. 50 nœuds. 60 nœuds. Il est en train de décoller tout seul. 70. Ouais, je vais être obligé de tirer parce que là on arrive en bout. J'ai essayé de le faire sans, mais. Oula, par contre, faut que j'enlève l'écran parce que là. Là, il a du mal à y aller. Voilà. Et on est parti.
Ok, donc comme je vous ai dit, on remonte vers Sully. La vitesse de rotation, hein, meilleure vitesse de montée 80. Ok, on va recouper notre trajectoire. Activer la paix. On va être obligé de reprendre en manuel pour aller voir le château parce qu'il va vouloir me faire faire demi-tour avant. Donc si je veux vraiment aller voir le château de Sully, il va falloir que je reprenne. Ok, c'est le train. Request flight following. Squawk 00, 23 Cessna 76. Et voilà, on est parti. On peut réduire un peu les gaz. Et re. Alors. Sully, ça va être bientôt. Ça nous dit on y est dans 9,4 000. Ouais, ça c'est court. C'est pas un énorme détour. Sur les 150 000 à faire, c'est pas un énorme détour. Comment? Je vais commencer mon vol vers Brest. Ok. Bon, je vais être obligé de reprendre en manuel parce qu'il va bientôt vouloir me faire faire demi-tour. Le pilote automatique va bientôt vouloir me faire faire demi-tour. Alors que moi je veux pas. Voilà. C'était sûr. Voilà. Hop. C'est bon. Bon, on devrait y arriver assez rapidement. Là, je pense que le point que ça nous marque, c'est le point qu'on aura après. Ah non, 6,7 000. Non, c'est Sully toujours. Sur le château de Sully. Alors voilà, c'est la présente étape. C'est vrai qu'on était en approche du posé, donc c'est vrai que j'ai pas fait attention. Alors c'est un château que je connais pas dans la vraie vie, contrairement aux autres que j'ai déjà vu en photo minimum. Saumur, je crois que je l'ai vu en vrai. Le château de Sully, j'ai jamais vu en vrai. Et même en photo, ça me dit rien. Mais bon, c'est un des châteaux de la Loire, donc on va le voir. Donc là, Loulou France, tu voles tu vas à Brest là, en avion? Ouais, depuis De Gaulle. Depuis où? De Gaulle. Ok. Oh, ça, c'est pas trop long. Non, 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 c'est rapide. Un peu une heure de vol, je pense. Alors, le problème, c'est qu'il y a des... Yes. Ah, mais si, c'est... Ouais, j'arrive à garder mes 1500 pieds. Et ça doit être Sully d'ailleurs qu'on voit juste devant. Ça doit être le château de Sully qui est devant là. Mais voilà, ça c'est... Oh, ils ont bien fait le truc.
Ok, je vais essayer de vous faire une vue extérieure. Je vais essayer de faire la rotation en vue extérieure. C'est jamais facile sur Flight Sim. Mais je vais essayer de vous faire la rotation en vue extérieure. Pour que vous puissiez bien voir le château. Normalement, comme je connais assez bien l'avion, je suis capable de le piloter même en vue extérieure. Donc bon. Et le voilà, le château. On le voit là juste à droite. Je vais essayer de me faire une arrivée de face un peu. Voilà, je suis rendu piqué à mince. Et voilà le château de Sully. Alors c'est pas un très grand château, hein. C'est pas le plus grand château de la Loire, mais il était joli. C'était joli. Mais bon, on va pas trop traîner. Parce que comme je vous ai dit, c'est une étape. Oh, c'est sûrement la plus longue étape. Même plus longue que l'étape. Que la première étape qui nous a amené. L'étape de la source où on a été obligé de décoller très loin de la source et enfin voilà. Et qui nous a amené jusqu'à Roanne. Là normalement je devrais pouvoir réactiver le pilote automatique. Et retourner vers Orléans. Alors, hop, on se remet à plat. Et on va s'approcher doucement mais sûrement. Et du coup, t'as décollé là? Non, non, je suis en train de remplir un peu. Lyon, quoi. Alors, LMRB. Gauche, je crois. Je sais même plus quel pied je prends. Et du coup, nous à Orléans, on va voir un des gros affluents de la Loire. Alors, gros affluent. Très court, mais gros quand même. C'est le Loiret. Et le Loiret qui a la particularité qu'en fait, c'est juste une résurgence de la Loire. L'eau est évacuée à un endroit de la Loire et ressort à un autre endroit et en fait fait une rivière qui se rejette dans la Loire. Enfin, c'est. Et ça, ils le savent parce qu'il y a des scientifiques qui se sont amusés à mettre un colorant à un endroit dans la Loire et qui ont retrouvé le colorant dans le Loiret. Ah oui. Enfin, on est bien mieux. Comment? Ah oui, ils se sont pas fait chier quand même. Ils ont mis un colorant et tout. Bah en fait, c'est comme ça que généralement qu'on fait parce que dans moi, pareil, dans ma région, t'as... Je sais plus comment ça s'appelle, des bétoires. Oui, je crois que c'est comme ça que ça dit. Et en gros, l'eau d'une rivière est totalement s'infiltre totalement dans le sol. Et en fait, elle réapparaît à un autre endroit, tu vois. Et bah, pour savoir où est-ce que cette eau-là, l'eau qui était aspirée à cet endroit-là, ressortait, bah, ils ont mis du colorant à cet endroit-là. Et ils ont vu le colorant sortir 3-4 km plus loin dans le même lit de la rivière. Mais bah, 3-4 km plus loin, quoi. Et là, pour le Loiret, ils ont fait pareil. Ils ont mis de l'eau du colorant dans la Loire. Et ils ont retrouvé le colorant dans le Loiret. Mais c'est pas le con du tout.
Paris Center Cessna 76 1600 feet. Petite question pour Loulou France. Sur X-Plane 12, tu as le DR401 avec le G1000 gratuit de Aerobag, c'est ça? Il y a Simtrain qui te pose une question du coup. Moi je suis sur X-Plane 11 et oui, c'est celui de Aerobag. Est-ce que c'est du G1000 ou je sais pas. Ok. Oui, oui, c'est les écrans du G1000. Ok. Je sais pas si t'as entendu Simtrain, mais il disait donc lui sur X-Plane 11. Et que oui, ça doit être les écrans du G1000, ouais. Et voilà, on a retrouvé notre route. On a retrouvé notre route direction Orléans. Donc Orléans, comme j'ai dit dans la précédente étape, c'est là où j'ai passé mon bac pro ou mon CAP, je sais plus. Rappelle jamais, c'est le CAP, ça doit être le bac pro, je crois. Je vais le prendre sur X-Plane 12, il est gratuit en plus. Ah, pas mal. Du coup, Orléans, si vous passez dans le coin un jour, n'hésitez pas à y aller, c'est super joli. En plus, on passe assez vite de la ville à la nature. Donc vous pouvez très vite vous retrouver sur un petit chemin de terre le long de la Loire au calme. Moi je sais que c'est comme ça que je m'étais un peu déstressé avant mon bac. J'avais été me balader un peu au bord de la Loire dans un petit chemin le long de la Loire. Et c'était trop cool. Ah mais tu as fait un aller-retour celui, tu n'as pas poursuivi direct vers Chambord. Non non. J'ai fait celui et là maintenant je pars. Je repars le long de la Loire. Dans le bon sens. Donc comme vous voyez là, on voit encore, c'est encore la nature à cet endroit-là. Là où on est actuellement, c'est encore la nature et dans pas longtemps, on va être en pleine ville. Ah zut, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur le bouton là. Voilà. Ah mais c'est pour ça que c'est une train que l'étape est longue hein. C'est parce qu'il y a... En fait là on va jusqu'à un certain point. Ensuite on descend plein sud pour aller chercher le premier château. On remonte, on relonge la Loire. On redescend à un endroit pour aller chercher le deuxième château. Et ensuite on remonte et enfin ainsi de suite quoi. Parce que l'idée c'est quand même toujours de longer la Loire. C'est le voyage c'est ça, c'est... on descend la Loire en avion. Et donc on la descend jusqu'à son estuaire. L'objectif c'est de pas louper un kilomètre de la Loire. On a vu toute la Loire de sa source jusqu'à la fin quoi. Salut Toto 4F. Ça va et toi? Donc pour les gens sur Twitch, hein, si vous voulez voir la première étape de ce tour de... Enfin de cette Loire en avion, le premier épisode sort la semaine prochaine sur YouTube. Je les sors tous les dimanches. Une vidéo par semaine sur YouTube. Et voilà Orléans.
Donc vous voyez là tout ça, vous pouvez vous balader là dans la forêt ici, c'est magnifique. Là, on a un canal. Avec les grands bancs de sable. Je crois que c'est ici, j'ai un ami qui est venu faire l'expertise d'une épave. Enfin, l'expertise d'une vieille épave qui est dans le coin par là. Je crois que c'était à Orléans, il me semble. D'une très vieille épave, d'un bateau en bois. J'suis en train de Redel Flight Simulator. Vous n'auriez pas des tips pour mettre. Pour pas mettre 15 jours parce que j'ai l'impression d'avoir. Tu sais, c'est toujours aussi lent. Non, chez moi aussi ça met 3 plombs à charger. J'ai beau avoir une connexion de. Une très bonne connexion, j'ai la fibre. Hein. C'est long à charger, Flight Sim. C'est les serveurs de Microsoft. Hein. C'est bon, faut faire avec. Malheureusement, faut faire avec. Hop. Allez. Je remets en vue extérieure parce que là, on passe vraiment le centre-ville. Avec la cathédrale d'Orléans. Juste sur notre avant-droit là. Et à partir de maintenant, on va vers l'ouest. On fait route à l'ouest. Et moi, quand j'avais été, j'avais dormi. Vous avez un terrain de foot, et la particularité de ce terrain de foot, enfin de ce stade de foot, c'est que vous avez une auberge de jeunesse dedans. Donc j'avais dormi là-bas. Mais je sais plus où est-ce qu'il est. Enfin, il est quelque part dans Orléans. Mais... Donc bah, maintenant, ça va être banc de sable sur banc de sable. Hein. À partir d'Orléans, c'est. Et IRL, quand vous avez des périodes de sécheresse, à partir d'Orléans, vous pouvez avoir des endroits où la Loire, c'est un filet d'eau, vraiment. C'est un petit filet d'eau qui coule. Et merci pour le follow, Toto4F. Merci beaucoup. Malheureusement, non, les serveurs tournent pas fort ou ils sont juste trop sollicités, même avec de la fibre. C'est long, c'est ça. Non, merci quand même. C'est triste qu'après tant d'années, ils n'ont pas amélioré ça. Ah bah ça... Et voilà, bon, je vais remonter dedans parce que, comme je le dis depuis un petit moment, depuis une certaine mise à jour, ils ont fait une mise à jour. Maintenant, quand tu fais des vues extérieures, l'avion ne suit plus la route que tu lui as mis, que tu as rentré. Donc, bah, c'est chiant. Et voilà, maintenant route à l'ouest. Et là, on va avoir... Alors, on va essayer de ressortir rapidement parce que là, on a la confluence avec le Loiret, justement. Juste là, voilà. Le Loiret est juste là. Donc, il prend sa source par ici. Enfin, il prend sa source. L'eau ressort par ici, là. Et il vient se... Et ça revient ici, quoi. Ah. Merci pour ton heure, Simtrain. Merci beaucoup, bon appétit. Je pense que tu vas manger à cette heure-là. Et voilà. La fin du Loiret est juste la confluence.
Bon, après, dans Flight Sim, l'eau est généralement un petit peu exagérée. Généralement, il y a moins d'eau que ça quand même. Dans la vraie vie. Alors que devant. Devant, je revois deux tours. À mon avis. À mon avis, j'ai pas fait attention, mais je pense qu'il y a encore une centrale nucléaire. Possible que. Possible que je l'ai pas vu. On verra, hein, s'il y a une zone d'exclusion, on la contournera comme on a fait. Si on voit une zone d'exclusion, on la contournera comme on a fait dans les. Dans la précédente étape. Et oui, je vois déjà quelque chose qui se dessine devant. Alors, je vais la contourner par où celle-là? Bon, je vais la contourner par le nord. Je vois la zone d'exclusion, j'ai une zone un peu plane. Ouais, je vais contourner par le nord. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est la zone que vous voyez là. Ah non, pas par le nord. Ah non, alors non, c'est pas la zone d'exclusion. What the fuck? Non, bah on va contourner par le sud. Parce que les autres sur les étapes précédentes, on avait des zones d'exclusion, c'était des demi-cercles. Et là, c'est pas un demi-cercle. C'est un peu bizarre. Bon, on va tout de suite prendre les commandes. On va cut un peu. Enfin, on va cut. Allez, hop, je démarrerai. Libérant, et c'est bon, on va commencer. Alors, before start. Je vais essayer de lui mettre un cap, pas mode nav, mode nav désactivé. Sélection du cap. Activé et voilà, vas-y. Ah non, mince. Ah zut, j'ai fait une bêtise. Je pensais qu'il s'était directement mis sur le bon cap, mais non. Bon, c'est pas grave. On va le tenir à la main, c'est pas très grave. Je démarre pas ça, on va voir les problèmes par contre. Comment? Si je démarre pas mon tracker, je vais me faire taper sur les doigts. Alors qu'on a Allez, passé hop. un. Flight, fly. On a passé un joli petit village là, enfin on le passe à distance. Malheureusement. C'est quoi ça? Passenger. Ok, du coup la centrale est juste là. Alors moi perso, je serais les gens dans le coin à avoir une centrale sur un fleuve qui est aussi sujette aux sécheresses que la Loire, je serais pas rassuré. Donc là, la zone interdite, ce que vous voyez, c'est tout le cercle qu'elle a là. Enfin,
J'aime bien, il y a juste un petit V là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin. Bizarrerie. Mais en gros, c'est tout le cercle que vous avez là, c'est la zone interdite. Et là, donc, je suis en train de la raser. Et ce qui est marrant, c'est que quand on va rechoper le cours de la Loire, ce sera presque le moment où il faudra plonger au sud pour aller au premier château. Alors, j'adore prendre le tracker de ma compagnie virtuelle. Actuellement, j'ai le commandant de bord qui parle. Ah, c'est génial. Mais tu, du coup, t'es resté sur l'ancienne version, pourquoi? Parce que ton PC peut pas faire tourner le nouveau ou parce que t'as juste pas envie de passer sur l'autre? Pour appuyer sur expérience hein. Ouais. Parce que je l'ai acheté et j'ai pas acheté pour ça. Ok. C'est vraiment juste ça. C'est vrai que moi, Flight Team, c'est mon. Enfin, à une époque, j'avais le précédent Flight Team, mais j'y ai pas trop joué. Mais le 2020, c'est vraiment celui où je passe un temps de malade, quoi. J'y passe vraiment un temps, mais. Le Flight Sim, j'ai mis un moment avant de l'acheter. Hein. Je l'ai acheté il y a un an et demi, je crois. Alors, donc ça c'est fait. Assez de power. J'ai craqué après avoir suivi le vol caritatif d'un youtubeur que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien. Après, j'ai vu le matos qu'il fallait pour pouvoir voler. Bon, j'ai fait bon, bah ok. Vas-y, let's go. Et après, j'ai appris, et puis bah, maintenant, je m'éclate. Sur quoi? Pas sur un. Sur Flight Team. Ah oui. J'ai le même bug que tout à l'heure, la zone interdite qui disparaît d'un coup. Et non, c'est bon, elle est réapparue. Ah, en plus, j'ai la librairie Air France. Hop, c'est génial. Pourtant, je suis pas pile poil dessus, hein. Et voilà, on retrouve la Loire, on va pouvoir remettre le pilote automatique. Alors, remettre le mode nav, activer. Et le pilote automatique, activer. Et donc là, le château qu'on va aller voir, parce que là, on va passer un premier. Passer une première ville. Alors. Voilà, on est revenu sur la Loire, on est à 1500 pieds, c'est parfait. On est un peu haut en tour minute. Et donc, on va maintenant plonger au sud. Et on va du coup à Chambord. Ouais, ça. On va d'abord voir Chambord. Château de Chambord.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, on va quitter la vallée. Et voilà, c'est bon, on quitte la vallée direction le château de Chambord, premier, enfin un des châteaux les plus connus de la Loire. Alors il est juste là, mais du coup, pour qu'on le voit bien, j'ai posé un point pour que ça nous fasse faire un beau tour. Alors pourquoi ça lag autant? Les mystères de Flight Sim. Comment tu peux pousser ici? C'est impossible. Mais comment les avions s'y mettent en général? Waouh. En train de monter le truc. Et le voilà, le château de Chambord. Avec les grands jardins. À mon avis, c'est la forêt qui doit faire laguer comme ça, j'en sais rien, mais. Waouh! Ah, c'est beau. Et donc voilà, on a passé le château de Chambord. Bon, on va retourner à l'intérieur parce que. On va refaire une vue intérieure parce que là ça a l'air très compliqué avec la végétation là. Dernier petit screen et on va à l'intérieur. Ignorer. Votre bande passante est actuellement trop faible. C'est tes serveurs qui sont actuellement trop faibles. Voilà, c'est bon. Non, on va quitter la forêt, ça devrait aller mieux. Ah là là, Flight Sim dans toute sa splendeur. Enfin, Microsoft dans toute sa splendeur. Votre bande passante est trop faible. Avec de la fibre. Oui. Oui. Oui, si tu veux. J'ai 500 mégas. J'ai 600 mégas descendants, mais oui. C'est trop faible pour toi. 600 mégas, c'est trop faible pour toi, d'accord. C'est pas ce qu'il te faut, mais d'accord.
Non, c'est juste leurs serveurs qui sont littéralement à chier en fait, hein. Leurs serveurs, c'est compliqué. Et c'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs que les temps de chargement sur Flight Sim sont extrêmement longs. Le jeu, quand je le lance, quand je fais un stream sur Flight Sim, je suis obligé de lancer le jeu un quart d'heure avant de lancer le stream, à peu près. Grosso modo. Pour être sûr qu'il soit lancé, pour être sûr que le jeu soit lancé quand je lance le stream, enfin quand je vais commencer à parler, faut que je lance le jeu un quart d'heure avant. Et s'il y a une mise à jour, il faut que je fasse la mise à jour 2 heures avant. Pas décollé, non. Il a toujours pas Ça décollé? va être long. Non. Bon, ça tombe bien, moi ça va être encore long aussi, hein, je pense. Hein. Là, je. Il me reste encore une bonne partie de mon voyage à faire. Et level up pour Dorkan, tour du monde 10, level 154. Bravo à toi pour ton level up. Ouais, j'ai encore. Je sais pas combien de milles il me reste encore, mais. Je dois même. Ouais, je vais peut-être faire un tiers. Pète, c'est mon porte. En vrai, je crois que j'avais 150 000. J'avais 150 000, ça fait 42 minutes que l'enregistrement est lancé. Je vole à 104 nœuds. Je sais pas si ça existe, mais Flight Sim en casque de réalité virtuelle, ce serait trop bien. Je crois que ça existe. Ce serait trop bien. Pas sûr, hein, mais je crois que ça existe. Parce que les paysages sont tellement réalistes en vrai. Enfin, quand tu vois les paysages, tu te mets en réalité virtuelle. Enfin, tu te mets avec un casque, t'enlèves tout le. Le HUD au toit et tout, putain, tu t'y crois quoi. Tu t'y crois quasiment. Hein. Et c'est ça d'ailleurs que j'adore avec ce simu, hein, c'est que. Mais c'est que Paris, c'est que De Gaulle, c'est un beau bordel, parce que là je sais même pas où je suis. Hein? Où est-ce que je suis? J'évite d'aller traîner dans ces coins-là, moi. Et donc faut que j'arrive à retenir le nom du château du prochain là. Enfin tout à l'heure Sintra me l'a dit, faut que j'arrive à le retenir parce que mémoire de poisson rouge que j'ai. Ah zut. Pourtant je suis sur le deuxième écran. Je suis sur le deuxième PC. Et ça fait quand même zoomer dans le jeu. Ok. Pas grave, tant pis.
Ok, ouais. C'est Chenonceau. Alors, on va faire Amboise avant, déjà. On fait Amboise, Chenonceau. Et on finit par Saumur. Donc Chenonceau, c'est le château où on va faire le plus de distance en plus pour aller le voir. Parce que il est pas sur la Loire du coup. Il est un petit peu éloigné. Mais bon, c'est pas non plus une distance folle à faire. Donc on se le fait quand même. Par contre, Amboise et Saumur sont directement sur la Loire. Comme beaucoup de grands aéroports. Alors que nous là, comme vous pouvez le remarquer là, depuis Orléans quand même, on fait beaucoup plus de rectiligne. Hein. Depuis Orléans là, c'est quand même beaucoup plus rectiligne. On tire quand même des traits beaucoup plus droits par rapport à ce que ça a pu être depuis la source. Ou vraiment dans le massif central, c'était. Enfin voilà. Ça tournait dans tous les sens, mais c'est normal, c'est la source, c'est comme ça. Mais là maintenant, on peut vraiment tirer des longs traits sans avoir besoin de tourner. Donc ça fait du bien de pas tout le temps. De pas tout le temps tourner. On a carrément des pulls de chair, je pense. C'est pas possible ça. Les mecs de chez nous, ils ont pété les pulls. Quand je te dis qu'ils ont vraiment pété les pulls, c'est genre vraiment. C'est incroyable quand même ce qu'ils nous proposent. C'est magique. On s'y croirait en fait. Genre là. Oh putain, les joueurs de Flight Team. Avec les scans. Avec les scans en fait d'altitude. Des fois, tu sais, quand ils. C'est des images satellites. Et donc, des fois, ils se trompent dans l'interprétation de ce qu'ils voient. Ouais. Et là, il y a un canal. Ils ont cru que c'était une route. Donc, t'as des voitures qui roulent sur l'eau. Oh, c'est génial. C'est magique. Ah non, c'était peut-être pas le loup en fait. Ah non, c'était peut-être vraiment une route. J'ai peut-être été mauvaise langue. C'est à cause des ombres que j'ai cru que c'était de l'eau.
Mais en vrai, je l'ai déjà vu. Hein. Le canal qui est transformé en route, j'ai déjà vu. Hein. Alors que ça y est, on arrive au niveau du château. On arrive au niveau du premier, du deuxième château, enfin troisième château de ce vol. Donc le château d'Ambroise, oui c'est ça. Alors on passera sûrement d'abord par Chenonceau et après Amboise. Parce que là en fait c'est la ville d'Amboise qui est devant là. Mais en fait on va piquer au sud, direction Chenonceau, avant de revenir ici pour passer pour passer Amboise. Les petites îles que vous voyez là, il y en a certaines qui sont soit en vente, soit vendues. Et je sais qu'il y a des gens qui se les arrachent. Il y a des gens qui s'arrachent ces petites îles, alors tu peux même pas y aller en. T'as pas de pont ni rien, faut que tu prennes une barque pour y aller. Il y a des gens qui se les arrachent et qui passent leurs vacances dessus quoi. Construisent des petites cabanes où ils dorment sous une tente dessus et puis ils passent leurs vacances là. Tu peux pas faire plus tranquille quoi. Si t'es isolé sur la Loire, tu peux pas faire plus tranquille. Voilà, la ville d'Amboise juste devant nous. Voilà, Amboise juste devant nous, donc là il doit y avoir le château pas loin. Par contre, on va remonter dedans parce que là, sinon on fait pas la courbe. Et on part en direction de Chenonceau. Et on viendra voir le château d'Amboise après, au retour. Enfin, une fois qu'on sera en ligne droite vers Chenonceau, je pourrais vous montrer la vue extérieure pour vous montrer Amboise. Et bon, on est en route directe vers Chenonceau. Et donc voilà, Amboise, le château est là. On voit le château d'Amboise juste là. Juste ici. Mais bon, on repassera dessus après. Et donc là, on a combien de milles pour arriver à. On a 5000. C'est un tout petit détour. Franchement, ça va. 5000, c'est-à-dire 10 000 pour faire l'aller-retour, c'est en avion, c'est pas grand-chose. En voilier, c'est 1 heure, hein, pas loin. Ça dépend du voilier, mais voilà. Mais en avion, 5000, c'est rien, quoi. Et donc bah là ouais entre Orléans et Angers, et un peu même un peu plus loin qu'après Angers, on est dans une zone qui moi pendant 5 ans a été un peu mon milieu professionnel. Enfin,
J'ai pas travaillé là-bas, mais c'est une zone qui est très. Bah, où il y a beaucoup d'entreprises de mon ancien milieu professionnel. C'est une zone horticole. Il y a beaucoup de maraîchers, de production florale aussi, qui sont dans le coin. Parce que bah, il fait souvent beau, enfin, il fait pas mauvais quoi. Il y a souvent du soleil. La température, elle est clémente. Vous avez un microclimat avec la Loire. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que c'est une très bonne zone pour faire pousser beaucoup de choses. Et donc, je dirais pas que c'est florissant parce que malheureusement, beaucoup de choses maintenant sont produites aux Pays-Bas. C'était vraiment les Pays-Bas qu'on la main mise sur le marché, quasiment, sur le marché européen minimum. Mais c'est quand même une zone importante. Alors que ça y est, on a le château de Chenonceau juste là. Château de Chenonceau qui a la particularité de lui enjamber la rivière sur laquelle il est fabriqué. Château de Chenonceau qui est très connu, hein, parce que, comme, bah, justement pour cette particularité. Mais qui est un très très beau château. Avec, je crois d'ailleurs, à Chenonceau, des pièces qui sont construites sous le niveau de l'eau. Vous avez des pièces du château qui sont construites sous le niveau de l'eau. C'est-à-dire que les piles sous le niveau de l'eau sont creuses. Et donc Chenonceau, je suis en train de chercher le nom de la rivière qui passe à Chenonceau, c'est le Cher. Et voilà, la vue de l'intérieur de l'avion, pas mal aussi. On va faire une petite vue comme ça. Magnifique. Et voilà. Et on remonte maintenant vers la vallée de la Loire. Et bah ça valait le coup de faire ce petit détour de 10 000 là du coup en tout. Pour faire l'aller-retour, ça valait le coup parce que magnifique. Magnifique. Alors maintenant, on va du coup arriver au château de Amboise. Oui, je suis toujours obligé de regarder les notes là-haut pour me souvenir. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Alors le Cher qu'on va retrouver un peu plus loin, bien évidemment, hein, parce que il se jette dans la Loire, mais c'est juste que nous, bah, on retourne retrouver la Loire puisqu'on veut longer la Loire jusqu'à son estuaire. Sinon, j'aurais juste eu besoin de longer le Cher et c'était bon, quoi. Mais c'est pas le but. C'est pas le Cher en avion, c'est la Loire en avion. Et là, on arrive à la fin de la grande boucle d'Orléans. Vous voyez que, après Orléans, la Loire prend une direction sud-ouest et là, elle reprend un peu plus de l'ouest. C'est bon, t'as réussi à décoller? Ouais, Ouais. j'envole. Je suis arrivé à. Non. Encore mon niveau de croisière, je suis à 26 500 pieds. Ok. Ça continue de grimper.
Et ton niveau de croisière, ça va être quoi? Bon, il est bon quand même. Ton altitude de croisière, ça va être quoi? 30 000. 30 000. Oh, tu y es presque. D'ailleurs, j'ai oublié de passer le. Et en plus, les gros avions, ça monte vite. Ouais, lui, il est léger, donc il monte très très vite. Puis il a des moteurs puissants quand même. C'est que moi, avec mon petit 172, le temps que j'arrive à son altitude maximum de croisière, il met du temps, quoi. Quand je fais des vols en montagne, je suis obligé de. De prendre de la marge. C'est un avion qui est lourd, donc on décolle enfin, il décolle assez rapidement. Et voilà le château de d'Amboise. Donc là, c'est plutôt un château fort. Vous voyez, tous les autres châteaux qu'on a vus, c'était plutôt des châteaux de plaisance, on va dire. Là, on voit directement qu'il y a des fortifications autour, quoi. Lui, il a vraiment gardé son côté château fort, quoi. Même si on voit, il y a toute une partie plaisance, on va dire. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant que l'avion arrive plus à garder à suivre un cap, enfin à suivre une route que tu lui as fixée quand je suis en vue hors ligne. Enfin, quand je suis en vue hors cabine, tu vois, en vue. Quand tu vois l'avion de l'extérieur, l'avion ne suit plus la route que je lui ai fixée. C'est super chiant. Et c'est un bug qui est apparu avec une mise à jour là. Et comme d'habitude, dès que Flight Sim. De toute façon, dès que. Asobo fait une mise à jour, dès qu'ils font une mise à jour, il y a des bugs. Ils font des mises à jour pour régler des bugs, mais ils en font du nouveau. Boucle sans fin, quoi. On se replace bien rectiligne sur la Loire. Et bon, je peux vous refaire une petite vue extérieure. Et donc voilà, Amboise, c'est passé. Et maintenant, on va en direction de Saumur, qui est plus très loin. Hein. On est bientôt arrivé. En vrai, on avait 1h40 de vol ou 1h50 de vol annoncé. Au bout du jour, on n'est pas loin déjà d'arriver. Et pourtant, je ne vole pas à une vitesse. Enfin, là, je vole vite quand même. Mais parce que je suis en train de redescendre aussi. Que je suis quoi, je suis à 2410 tours, on peut diminuer un peu. Détacher les passagers. T'as même une commande pour pouvoir dire aux passagers qu'ils ont le droit de se détacher. Ouais. C'est trop bien ça. En vrai, pour le RP, c'est trop bien. Tout à fait. Et quand moi je vole avec Ivao, il y a des contrôleurs qui descendent des tels niveaux. Du coup, est-ce que je pourrais te mettre Mais je pense que c'est Saumur qu'on a devant. Je pense que c'est la ville de Saumur d'ailleurs. Qu'on a devant. Je vais vérifier, mais est-ce que le Cher se jette dans la Loire à Saumur? 119 or decimal 825 for Cessna 76.
Hein? Paris Center Cessna 76 1600 feet. Ah non, c'est juste qu'on est passé. C'est juste qu'on est, on a changé de fréquence, on est passé sur Paris Centre. Ok. J'étais en mode, pourquoi il me dit, pourquoi d'un coup ça se met à parler? Mais c'était juste passage sur Paris Centre. Ah non, c'est, ouais non, c'est Tours qu'on a devant. C'est Tours qu'on a devant. Avec Montlouis-sur-Loire juste en dessous. Montlouis-sur-Loire qui est juste là. Et devant nous, c'est la ville de Tours. Avec le triage, la gare de triage. La ville aux dames. Alors après, il y a l'aéroport, mais on va pas se poser là parce que bah, c'est un gros aéroport quoi. Donc, en 1772, comment dire que non. Enfin, tous les bancs de sapia, c'est magnifique. Donc bah juste après on va avoir la confluence. Juste après on a la confluence avec le Cher. Et Saumur, bah c'est là je crois. Ah c'est là. Donc ce sera après la confluence avec la Vienne, ce mur. Alors je vais me remettre à l'intérieur parce que là il suit plus la route. Et nous voilà la ville de Tours. En ville de Tours, je suis jamais allé en vrai. Donc je peux pas vous dire si c'est beau ou pas en vrai, j'en sais rien. Et après, vu que j'aime particulièrement les villes en bord de fleuve, je pense que ça pourrait me plaire. Et non, en plus, vous avez un fleuve et une rivière, quoi. Donc, il y a de l'eau partout dans cette ville. Non, c'est Tours. Amboise, on l'a passé. On a passé Chenonceau et Amboise. Là, maintenant, on passe Tours. Et on vole en direction de Saumur. En longeant la Loire. Là, on a vu la grande gare de Tours qui est par là, là. Avec le gros triage qui était là-bas. Et voilà. Et là, on va avoir la confluence avec le Cher qui est juste là. Le Cher qui, d'ailleurs, est la rivière qui passe sous Chenonceau. Oui, oui, on l'a vu, le gros dépôt. Le gros dépôt de Tours-Saint-Pierre, on l'a vu, il était là-bas. Il était archi visible. Il était archi visible.
Je me remets en vue intérieure parce que j'ai vu qu'il y avait une petite courbe. Pour qu'ils se remettent bien. Ok, 109, 108, parfait. Là, je pense qu'il nous reste ouais, 20 minutes de vol, je pense. 20-25 minutes de vol, je pense. Là, on va voir la confluence bientôt. Elle est juste là-bas, la confluence. Et quand on verra la Vienne qui va arriver de par là, normalement, on sera bientôt à Saumur. On y sera quasiment. On y sera quasiment. Et voilà. On va chercher le point de confluence. Et voilà, le Cher ici et la Loire qui se rencontrent. Ok, le dos droit. Et salut papy doudou, comment tu vas? Salut, salut. Allez, on continue. Je vais me remettre en vue intérieure parce que là il va pas suivre le. Voilà, il suit pas le plan de vol comme d'habitude. Bah ça va et toi? Comme d'habitude, il ne suit pas le plan de vol. Mais écoute bien, malgré qu'aux infos hier, il y a eu un... Ouais, je sais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il marche pas ton autopilote? En fait, c'est un bug qui est. Qui est apparu avec une mise à jour là. Quand je me mets en vue extérieure, il tourne plus. Il suit plus la route que je lui ai fixée. Mais l'autopilote est en vue. Comment?
Ouais, l'autopilote est engagé en mode nav et tout, donc normalement il est censé suivre les points que je lui ai fixés, tu vois. Et en fait, il le fait pas. Donc c'est un nouveau bug qui a dû arriver avec une mise à jour, tu vois. Parce que C'est Flight bien Sim, quoi. MFS. Comment? C'est bien MFS. Ah ouais, eux, quand ils font une mise à jour, ils ajoutent des bugs. Tu sais, c'est. J'étais en manip du pilote auto. Non, non, bah non, regarde, le pilote automatique il est réglé comme d'habitude, c'est-à-dire mode nav activé, pilote automatique activé. Donc il est censé faire comme il faisait avant, tu vois, c'est-à-dire suivre les points, machin. Et là, en fait, depuis que j'ai commencé la loi en avion, il fait que ça. C'est-à-dire que pendant le. Je vais te dire que pendant l'étape dans la montagne là, où ça tournait souvent, je vais te dire que c'était un peu scabreux parfois, tu vois. Genre là, avec le simu comme actuellement, le vol hommage que j'avais fait à la reine d'Angleterre, où j'avais survolé le château de Balmoral, là où elle est décédée, à Ra, en passant dans la vallée, machin, où j'avais placé des points nickel, où l'avion suivait bien les points et tout, j'avais super bien géré mon truc. Là, je pourrais pas le faire. Je finirais dans la première colline qui passe. Parce qu'il suit pas. À part quand je suis en vue intérieure. Du grand Microsoft, faire une mage alors que tout fonctionne. La mage fout la merde. Et enfin, patch match précédente. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On a une petite rivière qui vient de jeter ici, mais c'est pas encore la Vienne. Par contre, je pense qu'on est en train d'arriver. Je pense que la vallée qu'on voit là-bas, c'est la vallée de la Vienne. Et par ici, il doit y avoir Saumur. Je crois. Pas Saumur, mais. Mince. Chinon. Qui est cher au cœur. Qui est cher au cœur de. De notre cher Matisse. Mais oui, je crois que c'est par là, Chinon. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est dans le coin. Oui, c'est là. C'est bien ça, c'est à la confluence de la Vienne. Enfin, c'est juste avant la confluence de la Vienne. Donc c'est par là. Sinon, c'est par ici.
Alors qu'à mon avis... Alors non, j'ai pas de zone notée comme... Ouais, bon. Je sais pas ce que c'est ça, mais il se peut que j'ai oublié de voir une zone... Que j'ai loupé une zone. Je sais qu'à la confluence de la Vienne, je crois qu'il y en a une. Mais là, oui, c'est sûr qu'il y en a une. Vu les dômes. Bon, bah, je vais avoir les... Je perds ma licence, hein. Ah, ben, nice. RIP. Alors, pareil, vue extérieure, il tient plus l'altitude. Là, il était descendu à moins de 1000 pieds, tu vois. Donc, il tient plus le cap, il tient plus l'altitude. Pratique, c'est très pratique ça. Ouais, du coup, on va arriver à la confluence de la Vienne et de la Loire, et ensuite ce sera Saumur rapidement. Alors, je sais plus si c'est sur cette étape là qu'on survole le château ou pas, mais. Moi, je passe à côté des îles en roulant normalement. Ah! Ah, oui, c'est joli, ça, je te confirme, c'est joli. Pour y avoir été en vrai, c'est très joli. Ouais, c'est trop beau. Ces endroits-là, c'est trop beau. C'est un peu ma région, quoi. Mais... Enfin, c'est la... C'est l'autre bout de ma région, mais c'est ma région quand même. Enfin, même si techniquement, elles appartiennent aux Anglais, mais... C'est compliqué. L'histoire avec les Anglo-Normandes, c'est compliqué. Et voilà, la confluence avec la Vienne. Dommage que Mathis soit pas là parce qu'il serait content. Il y a Chinon pas loin. Et voilà, du coup... De quoi ? Dans X-Plane, ils avaient des porte-avions. Ouais. C'est trop bien ça. Et voilà, du coup, on rentre. On arrive à la dernière ville. Maintenant qu'on a passé la Vienne, on arrive et on voit notre aérodrome devant. Et donc ça, c'est le château. Là, on arrive à la ville de... Et depuis tout à l'heure, je dis le nom. Tout à l'heure, j'avais le nom en tête et maintenant, j'ai encore oublié. Saumur. C'est revenu d'un coup comme ça. Quoi? Le jeu est magnifique. Oh, il y a les reflets.
Ouais. Ah, elle est trop belle, la grande ville, là, comme ça. Trop jolie. Et après, il restera plus que deux étapes à faire. Encore deux étapes après celle-là. La prochaine étape nous emmènera du côté de Angers. Et la dernière nous amènera jusqu'à la Baule. Fin de cette Loire en avion. Et le prochain fleuve qui passera, ce sera sûrement la Gironde. Enfin, la Dordogne. On fera la Dordogne avec la Gironde et ensuite on fera la Garonne avec la Gironde. Et ensuite on fera les fleuves qui passent en France mais qui ne sont pas entièrement français. Les fleuves qui passent en France mais qui sont pas entièrement français, comme le Rhône et le Rhin. Et voilà le château de Champ de Saumur, juste devant nous. Juste là. Dernier château qu'on verra aujourd'hui, et je crois même peut-être dernier château. Ah non, bah non! On passe. Quand on passera à Nantes, on verra le château des ducs de Bretagne, évidemment. Comment? Passe à côté de Saint-Brieuc. Ok. Oh, t'es bientôt arrivé déjà. Ah ouais. Bah, comme moi, bientôt arrive aussi. En plus, la France se perd 100% automatiquement. Oui, c'est un plaisir. Et voilà. Ah, il est beau ce château. Très beau château. Château de Saumur, très joli. Vraiment un château de plaisance par contre là. C'est, là tu vois que c'est tout pour la beauté quoi. Et on a la piste déjà en dessous. On va appeler quand même parce que j'ai pas encore appelé. J'ai pas regardé les numéros. 28. On va se poser en 28. Allez. Ah bah. Ah bah piste 28. Non mais en plus, il demande piste 28, j'aurais pu y aller en direct. Il demande ça une fois au-dessus quoi. Sérieux. Moi du coup demi-tour. Bon après. Ce qui est pratique, c'est que ma route est dans l'alignement de la piste, quasiment. Donc, juste à retourner au-dessus du château. Reperdre en altitude. C'est bien, comme ça, on va réadmirer une deuxième fois le château pour se poser. Je vais allumer mes feux de phare de roulage et phare d'atterrissage. On va aller. T'allumes tes feux de roulage? Ouais, j'allume tout avant. C'est une mauvaise manie, mais j'allume tout avant. De quoi? Non, je regardais qui streamait un peu sur Twitch. Ah. Ça va, en vrai, on est quelques-uns sur les jeux de simu, enfin sur. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense carrément que je vais lancer une événement à force. Comment? Je pense que je vais lancer une chaîne. Ah bah carrément, faut pas hésiter. Je fais que ça, je fais que des vols, des vols, des vols. Oh, c'est beau là. Oh, Moi je fais pas, moi je fais pas que du flight sim parce que j'ai plein de jeux et j'ai pas envie de faire que un seul jeu, tu vois. ouais.
Mais clairement, faut pas hésiter hein, quand on a envie de. Ah, par contre. Ouais, j'avais pas vu, je suis déjà à 76. Je suis déjà plus qu'à 76 nœuds. J'avais pas encore mis un cran de volée. Je suis fou, Furax. Est-ce qu'on descend plus bas là? Parce que ça descend pas assez bas. Allez. Oh. Bon, c'est bon, on a le temps. Oh, un peu. Une arrivée comme je les aime, au ralenti. Me poser au ralenti. J'adore faire ça. Limite le moteur. Oh là, un petit coup de. Oui, non, trop tôt, trop tôt. En fait, faut que tu sois à environ 3 degrés de descente avec le nez et c'est au dernier moment qu'il faut remonter. Ouais, non, non mais là, non, c'est surtout. Surtout que je sais pas si t'as entendu, mais j'ai eu l'alerte de décrochage. C'est surtout pour ça que j'ai remis un oui, coup oui, de. Mais oui, justement, parce que tu cabres trop en fait quand t'as. Ouais, ouais. Et en fait, parce qu'il y a eu les. Il y avait les arbres et tout. Et là, et sur un bon plan de descente, tu laisses ton avion tomber, puis après, tu cabres un peu pour le. Pour ralentir sa descente. Oh, et moi je vais atterrir pour la première fois avec lui, je vais me prendre 1000 FPM. Mais bon, ça c'est le genre d'atterrissage que j'adore faire, arriver au ralenti comme ça, me poser au ralenti comme ça, j'adore faire ça. Jouer avec à la limite de l'alerte de décrochage, c'est. Je suis un peu maso sur les bords des fois, hein, mais. Ouais. Bah, en fait, avec un Cessna 72, ça va, vu qu'il a. Il a quand même une bonne capacité de réaccélération, je peux lui remettre un coup. Je remets un ouais, coup ouais, de. Je remets un coup de mode, tu vois. Si je vois que c'est trop chaud, je remets un coup de moteur, il repart, tu vois. Parce que là, moi, je vais arriver, je sais même pas combien je vais arriver en fait. Je dois arriver peut-être à. 2, perf 3. Flaps roule 125 nœuds. On va dire, on met une correction 10, j'arrive 135 nœuds. Tu vois, moi, un atterrissage, il est réussi. Enfin, moi, j'estime que j'ai bien réussi mon atterrissage. Si j'entends quasiment pas les roues toucher, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça, ouais. T'entends quasiment pas les roues toucher. Tu fais ah bah on est posé, ok. Hop là il se remet en descente. Ouais un peu violent la descente mais vas-y. Mais ouais moi j'adore faire des posés comme ça c'est. On va l'aider. Mais genre dans Flight Sim je me suis déjà amusé à faire un faux atterrissage d'urgence avec le. Dans le champ qui est à côté de chez moi. Ah oui. J'ai coupé. Ça a déjà amusé à faire des atterrissages d'urgence, je crois. Mais comment? Tout le monde a déjà essayé de faire des atterrissages d'urgence. Et c'est un peu hard des fois. Moi je m'étais amusé, tu sais, je m'étais dit tiens je vais venir voir comment est fait ma maison sur Flight Sim, tu vois. Parce que tout le monde l'a fait aussi ouais. Ça. Et je me suis dit bah j'ai eu la flemme de retourner à l'aérodrome. Je me suis dit tiens et si j'essayais de faire un atterrissage d'urgence avec coupure moteur dans le champ à côté de chez moi. Parce que pourquoi pas. Donc je l'ai fait, j'ai réussi à me poser. Pourquoi pas. Ah c'est vrai. Pourquoi pas. Hop. Pourquoi pas. Ça fait. Allez, on coupe. Moi je suis en train d'arriver là. Non, c'est lequel d'aéroport parce qu'il me semble qu'il... Alors je dois. C'est peut-être avec les modes. C'est peut-être avec le mode France obstacle que j'ai tous les châteaux. Après, je pense que de base, il y en a quand même pas mal qui sont dans le directement dans le. Dans le Simu. Parce que les châteaux de la Loire, c'est quand même ultra connu. Mais je pense qu'il y en a aussi quelques-uns que j'ai peut-être grâce au mode France obstacle, qui est un mode payant qui coûte 30 balles, je crois. Un truc dans le genre. Mais qui est super bien parce que bah, du coup t'as tous les. T'as plein de ponts, t'as plein de trucs, ça ajoute plein de trucs. Mais vraiment c'est trop bien. Ah mais moi aussi j'ai un truc comme ça sur X. T'as des petits freeze avec obstacle. Oui j'ai des petits freeze ouais. Ouais ouais. Et tout à l'heure j'ai eu des gros freeze ouais. Mais bon ça c'est. C'est Flight Sim hein. Des fois. Voilà. Ah toi aussi ouais, non mais c'est chiant les freeze, mais bon. C'est comme ça.
Bon bah du coup YouTube, c'est la fin de ce vol, 1h36 de vidéo. Bon voilà. Du coup je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, on fait le bruit et le pouce en l'air. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à s'abonner aussi. Allez, je vous fais des bisous, à la prochaine. Salut YouTube!